peut-être un joli sourire ici. Splendide. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Rien du tout. Enfin, quelque chose. Une chose. Je m'appelle Phoenix. Qu'est-ce que tu es ? Oh, un dialogue ? Avec moi ? Allez, on s'est préparé. Pas de panique. Qui sommes-nous tous, au fond ? Nous sommes le reflet de nos actes. Et moi, je fais de l'art. Je suis donc un artiste. Tu aimes cet art ? Alors, tu es une matrice. Je suis une guerrière. Ou la sœur d'un guerrier. Donc, proche d'un guerrier. En tout cas, je suis là pour arrêter Typhon. C'est logique. Ne le prends pas mal, mais tu ne ressembles pas à une amatrice d'art. Mais ceci t'illuminera peut-être. Une petite boîte ? Quoi ? Non, ça c'est ma période artistique précédente. Je l'ai signée d'ailleurs. Garde-la, ça me fait plaisir. Je n'y comprends rien. Tu es un sculpteur ? J'ai escaladé ta statue. Tu es Héphaïstos, c'est ça ? Je suis tellement heureuse de te rencontrer ! Non, pas celle-là. D'accord. Très bien. Oui, c'est parfait. J'en ai d'autres. Nous devons retrouver ton essence pour avoir une chance contre Typhon. Tu sais où elle est ? Non ? Confusion ou extase ? Es-tu habité ? Non, c'est ma tête. Comment peux-tu faire de l'art à un moment pareil ? Tu ne sais pas ce qui se passe ? Tout ce que je sais, c'est que je l'ignore. Typhon, le monde entier a été pétrifié. Les dieux ont perdu leur essence. Il y a des monstres partout. C'est la fin du monde. Ça ne te dit vraiment rien ? Pourquoi s'intéresser au passé quand on peut façonner l'avenir ? Tu le façonnerais plus facilement avec des mains. C'est Typhon qui te les a prises, c'est ça ? Il te les a arrachées ? Torturé encore et encore. Quelque chose comme ça. Tu ferais mieux de t'asseoir tranquillement avec ce Typhon. De discuter avec lui. Et non, mes mains en avaient assez de faire de l'art. Et elles sont parties. Elles n'ont pas pu aller loin. Et qui sait ? Peut-être que les retrouver te bousculera la mémoire. Prépare-toi à applaudir quand je reviendrai. Plutôt que de réfléchir à une sculpture, je pourrais sculpter un homme qui réfléchit. Muse à la voix claire. Chante Héphaïstos, l'indéfectible inventeur. Il enseigna de grandes techniques au monde entier. Fais-moi grâce, Héphaïstos, et accorde-moi la prospérité. C'est vrai qu'il a fait pas mal de trucs pour moi. Mais j'attends encore mon trône avec option massage. Ha!
Cet endroit ressemble à un champ de bataille. Ou à un cimetière. Ouais, pratique. Je suis plutôt un déstructureur d'intemporalité. Tiens, automate oublieux. Tu pourrais dire artiste. C'est la même chose. Regarde, j'ai retrouvé tes mains. Industrieuse amatrice d'art obsédée par Typho, tu es pleine de surprises. Ne bouge pas pendant que je... C'était quoi, ça? Aucune idée. Toujours aucun souvenir, hein? Non. Enfin, peut-être, hein. J'ai travaillé ici. Perle en eau agitée. Feu de forge rallumé. Enfant persuadé et esprit léger. Feu de forge rallumé. Mais oui! Ta forge fait partie de la prophétie! Oh, c'est sûrement la réponse! Il faut que tu te rappelles. La forge, la chose lumineuse et bénie qui sortait de tes mains. Tu es un dieu. Flatteuse. Et toi, tu as de très jolis yeux. Mais non, un vrai dieu. Chez moi, j'ai raconté des dizaines d'histoires à ton sujet. Des mythes, des légendes, des dieux et des monstres. Tu es Héphaïstos, le dieu de la forge. Tu te souviens? Je me voyais plutôt comme un Patrick. Ou Gladys, peut-être. Bon, ça ne marche pas. Il faut réveiller tes souvenirs pour trouver ton essence. Je veux que tu réfléchisses. Comment allume-t-on la forge ?
Et conduit d'aération envoie de l'air vers 4 fourneaux à charbon. Un réseau de canaux apporte de l'eau glacée au sommet à l'aide de roues hydrauliques. La combustion centrale est contrôlée par 2 mécanismes situés au cœur de la forge. Comment tu sais ça? Quoi ça? Peu importe. Dégagez les conduits, allumez les feux, libérez les roues. Ensuite, quelque chose avec les mécanismes. Reste ici et empêche ses mains d'aller se promener. Plutôt que de peindre une soupe, je pourrais plutôt peindre un pot contenant la soupe.